J'ai 5 milliards de jeux et il faut que je regarde ce que j'ai dans mes champs des possibles. Téléchargement. On va se mettre de la zik. Attendez. Pouf pouf. Non, mais ta mère la pute. Pouf. Attends. Pouf pouf. Pouf. Voilà. Coupé. Pouf. Ah oui, j'ai la ferme Orlov sur CDI. Enfin, sur PC. Enfin, même s'il est sorti sur CDI. On va extraire vert. Voilà, compte conquer. Voilà. Voilà, on va se mettre de la musique de Command and Conquer. Best music ever. Tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, en vrai, je me tâte à faire du Morlof. Je vais abandonner. Ah mais putain, mais j'en ai plein de jeux abandonware là. Je peux faire quoi? On va, attendez. Au pire, on en fera plusieurs, parce que peut-être que ce sera des jeux pas ouf. Donc on verra. On va tester celui-là. Paf. Enfin, j'installe un jeu en direct, quoi, tu vois. En diff en direct. Paf. 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 Klingon sur le bureau. Paf. Hop, il s'installe. Fermé. Les zigs de Command Conquer sont sympas quand même. Au moins, elles sont libres de droit. J'ai aussi les zik de, eh ben de Red Alert. En ce moment, je suis en kiff sur Command & Conquer. Et en plus, j'ai trouvé un mode portable préinstallé de Soleil de Tiberium. Il est terrible. Exécuter la ferme Orlov sur CDI. Oh putain. Oh mon dieu. Alors. L'affaire Morlov, un film de Didier et Thierry Poirot. Scénario original de Michel Brassine. Et ils nous mettent les crédits au début, eux. J'ai mon téléphone qui sonne. Réponds, Janine, il y a le téléphone qui sonne. Oh. Allô, Virginie? Ouais, je rentre à l'instant du journal. Non, j'ai pas eu le temps. T'es où? Derrière la place du tertre? Avec Irina? C'est qui? Ouais, les doubleurs. Mais là, dites-vous que c'est un jeu français. Et les doublages, c'est quand même de la merde. Nous sommes place Montarneau à Paris. En face, c'est Notre-Dame de Paris. Oh putain!
Oh mon dieu, elle est morte! C'est pas vrai, je joue mal! Cet homme est un fétichiste de l'odeur. Mais pourquoi il court? Oh mon dieu! Mon dieu, cet homme a tué la vieille! Au secours! Appelez la police! Ah non, c'était Karim! C'était Karim, il voulait la voler! Voici le commissaire Leblanc. Commissaire! Vous avez vu ça, patron? C'était dans une enveloppe glissée sous la porte du commissariat. C'est un type qui a dessoudé une fille et qui s'est fait prendre en photo. Retrouvez-moi ce type et foncez chez lui. Et foncez chez lui, on le connaît pas, mais on va foncer chez lui. Ça, tu vois, c'est les mecs, quand ils ont vu le résultat du jeu, ils ont fait « Putain, mais quelle bande de radinos, quoi !» Oh, c'est radinos. Oh, on peut aller au commissariat, on peut aller aux Beaux-Arts, on peut aller à l'hôtel, on peut aller au Home Sweet Home, aux Places du Tertre, et Père Lachaise. On va aller à Place du Tertre. Ben, nous sommes déjà à la Place du Tertre. Nous allons aller au Père Lachaise. Oh, c'est horrible. Pardon. Oh, mais les photos. Mais... À quoi ça sert? À quoi ça sert de prendre en photo un arbre? Molière, 1622-1674. Attendez, c'est quoi ça? Option, nouvelle partie, vitesse normale, option. On va revenir dans le jeu. Comment qu'on vit? Voilà. Attendez. On va peut-être baisser le son, parce que j'ai l'impression que le son est un peu fort du jeu. Voilà. Donc le son du jeu de base est hyper fort du coup. Du coup nous sommes au cimetière du Père Lachaise. Fred Chopin. Frédéric Chopin bien entendu. Cet homme était un dieu. Je m'en souviens de... Bien entendu, on buvait des verres tous les jours. C'était un grand alcoolique, d'ailleurs. Oh mon dieu. En fait, le jeu, en fait, c'est ça, c'est des séries de photos. Oh là là. Mais arrêtez de crier! Il y a des gens qui crient au Père Lachaise, on sait pas pourquoi. Hein? On sait pas. On est là, mais on sait pas. Hôtel Printania. C'est bien entendu le pays du printemps, Printania. Oh. C'était filmé en mode GoPro. À l'époque, il y avait déjà la GoPro en 95. Oh, regardez-moi celui-là. On peut dormir, hein, bien entendu. On peut téléphoner si on veut. On peut appeler le téléphone rose hein, pour celui qui veut. Non, remonte. J'ai envie d'aller dormir. Il faut. En plus, j'ai ma carte d'identité, tout. Là, je suis bien. Hein. Là, perso, je suis peinard. Hein. J'ai ma carte d'identité, passeport. On va aller au Brésil, bien entendu. Oh, la musique. Mais une musique... porno quoi. Et là tu vois qu'en fait le mec il se tape sa meilleure branbran. Ah non il dort.
Oh, regardez-moi cet homme innocent. Enfin, innocent alors qu'il a, alors qu'il a soi-disant tué quelqu'un. Je le rappelle, hein, parce que cet homme est quand même un tueur de base. De bas étage même, parce qu'il se fait il se fait. Il se fait machiner. Oh, on va aller au commissariat. Parce que moi, perso, je sais que je suis quelqu'un de gentil. Mon Dieu. Ce policier voulait me violer, on est d'accord. Putain, mais gros, il t'a dit bouscule-le, il t'a pas dit punche-le. Non mais là, sans déconner, le mec il a dit, s'il te plaît, pousse-moi, fais genre que tu me pousses, genre en scred, tu sais. Le mec, il lui fout une patate à la Tony, Parker. Genre t'es là, t'es non mais gros en fait. On va aller aux Beaux-Arts. Oh. Comment qu'on fait? Pourquoi je peux pas aller aux Beaux-Arts? On peut pas aller aux Beaux-Arts. Bon. On va aller. Parce qu'il y a quoi d'autre qui est ouvert? On va aller au studio de Virginie. Ah, franchement, ça vaut pas Gabriel Knight 2. Hein. Pour le moment, je me sens un peu oppressé là. Hein. Je me sens un peu oppressé dans ces lieux français. Oh, une porte. Ça, je reconnais, c'est la porte de chez, de chez Virginie, ça. Ah, c'est fermé? Attendez. Ah, clé de Virginie, attendez. Comment qu'on fait? Ah, voilà. Voilà. Non, attendez. Attendez, comment qu'on fait? Oh putain, j'ai trouvé comment on utilise l'inventaire. On s'incruste chez Virginie, bien entendu. D'accord. Du coup, on aurait dû faire un plan à trois avec deux femmes. Mais ça s'est mal passé. Il y en a une qui s'est fait poignarder ou je ne sais quoi. Oh! Photo de Virginie. Oh, Virginie. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau, là, je reconnais Paris, là. Avec ses églises et ses cathédrales, là. Ah là je reconnais à fond là. Hein. Là, pfouf. Alors là je me sens bien là. Hein. Allons voir cette Irina, mademoiselle. Clé trouvée sur Irina. Oh, attendez, mais attendez. Mais genre, mais ça peut être prêt à confusion, monsieur. Cet homme, il se trimballe avec un couteau. Non mais au secours. Mais prévenez la police.
Comment qu'on fait? McLeaf. Bah oui, mais il faut utiliser la clé d'Irina, mais il veut pas ce con. Voilà, on a. Oh, je sens, on n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Mais moi, je me souviens pas, moi, monsieur. Mais monsieur, moi, je suis. Mais moi, je suis teubé. Oh, je suis tôme. On va aller chez moi, home sweet home. Home sweet home, moi ça me rappelle la première mission. Et enfin, je suis... D'accord, du coup, il faut pas que j'aille chez moi en fait. Bah merde. Mais enfin, monsieur. Mais enfin.